Ça, c'est peut-être un bonheur. L'expérience ne fait pas. Hello tout le monde, c'est Seaside et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur. Eh bien, comme vous pouvez le voir, sur Don't Starve. Alors, vous avez pu remarquer, j'avais apprivoisé des cochons la dernière fois. Je crois que j'en ai réapprivoisé d'autres. Je ne sais pas si vous étiez là ou si vous n'étiez plus là. Enfin bref, je ne sais plus trop ce que je dis à la fin. Donc voilà, ils sont restés avec moi quand même. Ils sont d'une fidélité incroyable, comme vous pouvez le voir. Alors je vais essayer de faire quelques réglages au niveau de ma voix parce que là, apparemment, je suis très forte. Bon là, normalement, ça devrait aller un peu mieux, quoique. Bon, on va faire avec. Vous pouvez le voir qu'ils sont restés à côté de moi. Je sais pas jusqu'à combien de temps ils sont susceptibles de rester à mes côtés pour pouvoir me protéger face au monde extérieur. Ma santé mentale va bien, ma santé elle a pris un coup, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est étrange que ma santé ait pris un coup. Je me suis posé aussi d'autres questions, j'ai fait quelques découvertes, notamment il y a une fameuse marmite qu'on peut se créer. À mon avis, ils sont plus potes avec moi. Ça doit être ça. Voilà, il faut 3 pierres taillées et il faut du charbon. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais comment on fait du charbon? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, d'ailleurs, on va se diriger ici. On va se faire une torche. Et on va se diriger vers une parcelle de bois. Hein, je ne sais pas laquelle. Mais on va se diriger quelque part par là. Et on va cramer quelques arbres, alors en espérant que ça va pas mettre le feu à tous les arbres, je serai un peu embêtée. Ou peut-être qu'on va juste se contenter d'aller à gauche, on va faire ça comme ça, on va aller à gauche et puis on va cramer quelques arbres. Alors Chester est toujours là, hein. Il a faim, ah c'est vrai qu'il a faim. Oui mais mon petit coco, si t'as pu remarquer, t'as pas grand chose en termes de bouffe. Alors je sais pas pourquoi il y a une pénurie de bestioles, de lapins. Alors... on va cramer celui-ci. Bon, il est indépendant, donc ce qui fait que je vais pas... light. Vas-y, light. Light, voilà. C'est ça que je voulais faire. Parfait. Ah, en plus il pleut au moment où je lui mets le feu. Voilà. Oula. Et on va attendre que ça me drop du fameux charbon. Ce serait cool. Parce que je pourrais comme ça m'amuser à récupérer ce charbon et me faire cette fameuse marmite. L'élu de mon cœur. Alors, super. J'ai récupéré un. Alors, peut-être que là, ça va pas être possible. Ah si, super. J'ai pas regardé par contre combien il m'en fallait. On va essayer d'en cramer autant qu'on peut. Hein. Je fais gaffe. J'ai un peu du mal en fait à me repérer là-dessus, là, sur ce jeu. Surtout à réfléchir et puis à commenter en même temps. Parce que c'est un jeu qui demande de la réflexion, de la stratégie. Il faudrait aussi qu'on attaque ces fameuses bestioles, les araignées. Bon, par contre, je crois que je serais obligée de m'attaquer à une partie de mes plantations d'arbres. Bon bah tant pis, on va le faire. Hein. Je suis... On va peut-être replanter d'ailleurs ces arbres-là. Là, ils sont morts, donc autant replanter. Si ça crame tout, autant que j'en ai replanté à côté. Hein, parce que sinon, ce serait bien, bien stupide de... Hop, allez, on va y foutre le feu. Ouïouïouï, ça fait mal. Ça me fait mal ou... Oh là là, bah voilà. Voilà ce qu'il faut surtout pas faire. Ah mince, ces brindilles aussi, elles se barrent. Oh punaise, je crois que j'ai fait de la... Je suis quelque peu... Alors attendez, on va remettre la torche. Ah mince, non, je crois qu'elle s'est... Ouais, il me reste 4%. On va replacer le piège à lapin ici. On va voir ce qui... Alors, nous avons... Oui, bah je sais, attends. Que je réfléchisse 2 secondes parce que là c'est un peu le bordel. Ici. Super. Bon, bah ce qui est fâcheux, c'est que j'ai cramé la plupart des plantations qui étaient à côté. Ce qui est cool, c'est que j'ai réussi... On pourrait pas mettre le feu à ces sortes de yeux bizarres, là. Par contre, si je fous le feu, j'aurais pu les brindilles. Ça, c'est pas cool. Non, on va pas prendre le risque. Par contre, j'aurais bien apprivoisé
3-4 cochons pour qu'ils aillent faire la fête à ces yeux bizarres. J'aime pas, je sais même pas, je pense qu'ils sont dans l'eau. Hein. À mon avis, ils sont machiavéliques et ils peuvent nous tuer d'une seconde à l'autre, mais je ne sais pas par quelle magie ils se sont retrouvés ici. Ce que j'aimerais bien faire par contre, ce serait... Bon, on va te confier quelque chose, mon petit chéri. Non, quoique ça je balance parce que ça s'en fout. Non, ce n'est pas toi que je voulais voir. Alors, on replante. Hein. Oula! J'espère que la foudre ne va pas s'abattre sur moi. On est déjà à la presque à la fin de la journée. À la mi-journée, c'est bon, c'est foutu. Vite, il faut vraiment que je me fasse de la bouffe, par contre. Parce que là, c'est un peu... C'est pas que c'est critique, mais bon. Il faut pas qu'il meure de faim, ce serait trop bête qu'il meure de faim. Je veux pas qu'il crève de faim. On va voir. Alors, j'ai d'autres pièges qui sont en haut. Déjà. Oh, mais ça passe à une vitesse à chaque fois. Je suis toujours étonnée. Bon, il est bien placé. Tant pis, on laisse le lapin qui est là-haut. Oh, il va crever de faim. Vite. Courons. C'est fou. Et c'est... J'espère qu'ils vont pas vraiment s'implanter un peu partout. Hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, on va mettre des bûches. Adieu. Voilà. C'est parfait. On cook. On cook tout. Parce que là, il a vraiment faim. Ah, c'est énervant ça. T'as tout en faim. Il est en permanence en train de crever faim. C'est pas possible. Ouh ! Oh la chance ! J'allais me diriger vers mon piège, mais la foudre s'est abattue sur lui. Oh, punaise. Et ce jeu veut ma mort. J'espère qu'on peut pas mourir à cause de la foudre. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on peut. Hein ? Je ne veux pas savoir. Alors, oui, les pierres taillées. J'en avais faites, je crois. Oui, parfait. Alors, c'est ici. J'ai pas pris. Super. Ah oui, tech. Voilà. Là, normalement, voilà. Et voilà. Ça va ressembler à quelque chose, vous allez voir. Et voilà. Comme ça, quand je vais me cuire quelque chose, ça va me rapporter davantage de vie. Alors, comme vous allez voir... Comment ça va ? Il ne peut pas. Open. Ah oui, voilà. Parce que moi, j'ai pas encore testé ce truc. Hein. Donc, ah non, mince. Oh, ça va me tuer, ce truc. Ah mince. Et comment on fait pour... Je comprends pas tout, là. Comment on fait pour mettre dedans? Non. Ok, c'est pas ça. Comment on fait pour mettre des trucs dedans? Je comprends pas. Peut-être qu'il faut que je prenne le truc. Bah non. Oh, le truc a éteint. Avec la pluie, bien sûr. Bon, là, je vous avouerai, je capte pas l'histoire du... J'ouvre le truc. Oui, je veux bien. Ah, cook. Oh, punaise. Ah, mais c'était... Moi, je trouve que c'était pas clair. Oh là 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 là. Ok, ferme. Et comment je fais? Ah, faut peut-être que je remplisse tous les trucs. Attendez. Oui, bah oui, je pense bien. Je veux bien, mais comment on peut faire après pour. Ouais. Oui, il faut vraiment que je répartisse trois autres trucs dans la marmite pour pouvoir faire quelque chose. C'est peut-être ça. Hein. Attendez. Et si je mets. Ah, on peut pas mettre ça dedans. Mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir bouffer. Bon, bah tant pis. Hop. Je reprends et on va cuire ça ici. Tant pis, on va faire à l'ancienne. Parce que là, il crève de faim. Oh là là, j'ai rien en termes de bouffe là, ça va pas. C'est quoi ce bruit? J'aime pas ce bruit. Il faudrait aussi que je me fasse ça, un beekeeper hat. Qui me permettrait en fait d'apprivoiser ces fameuses bestioles et m'approcher des ruches sans trop me faire mal. Donc en fait, j'obligerai mon personnage à mettre ça sur sa tête. Et comme ça, on pourrait s'amuser à avoir une ruche. Attends, attendez. C'est parti. Hop. Là, j'ai trois éléments. Il faudrait que j'en récupère un quatrième pour pouvoir faire quelque chose. Une petite soupe, je ne sais pas. Je plante. Et je replante. Je fais gaffe au temps, comme d'habitude. Alors, cook. Je te fais cook.
et je te recoupe. Et par contre, il me faudrait alors soit un lapin, soit quelque chose qui puisse se manger. On va peut-être couper quelques arbres d'ailleurs, hein, vu comment on est parti. Il faudrait aussi que je continue mon fameux rempart qui est autour de mon camp. Parce que c'est un peu du grand n'importe quoi, hein. Vous avez vu, c'est à peine commencé, mais c'est pas terminé. Alors, comme d'habitude, on replante tout ce qu'on déracine. Vas-y mon coco, déforeste toute cette civilisation entière. Alors, on va aller vers le haut, parce que je me souviens bien, il y avait un lapin qui s'était pris dans mon piège. Le stupide. Super, il pleut plus, c'est déjà une bonne chose. Alors, oui, voilà, c'est par là. Faut se repérer sur la carte, hein, sinon on s'en sort plus. On remet, alors par contre, il faudra que je me refasse des pièges. Parce qu'apparemment, j'ai pas... Faudrait que je me fasse un coffre ici à côté des trous et que je me fasse des pièges en avance. Bon, par contre, là, ce qui me gêne un peu, c'est ma quantité, là, ma faim. Je crois qu'il est en train de mourir de faim. Alors, on va coller un lapin. On va le cook aussi. Il ne peut pas faire. Bah, vas-y, hop, tu le cook. Et donc, cook. Ah oui, donc faut bien 4 éléments. On va attendre que ça chauffe parce qu'apparemment il y a un certain délai avant que ça soit cuit. Quoique, faudrait peut-être pas que je m'éloigne parce que sinon. Allez vite, j'espère que ça cuit vite ce truc hein, parce que là, sinon je vais crever de faim. Oh oui. Je peux manger ça? Ah non, pas cook. Eat. Ah, ah ouais, vous avez vu, ça a remis carrément 50% de ma santé. C'est pas négligeable du tout. Hein. Ah ouais, c'est cool ça. Ah ouais, c'est sympa. Ce qui serait cool, c'est que je me fasse aussi d'autres pièges à lapins, parce qu'apparemment, il y a pas mal de... Oh. Il y a pas mal de trois lapins dans le coin, on va en profiter. On va en mettre un ici. Il faudrait que j'arrive à augmenter mon stock de bouffe. Attendez, on va se diriger... Oh oui. Ouais! Allez! On va peut-être se servir de ce lapin-là et apprivoiser... Un cochon. De toute façon, j'ai pas le choix. Je peux qu'apprivoiser un seul cochon pour le moment. Quoi que, regardez, il y a un autre trois lapins. Alors, peut-être que celui-là, il est pas très. Vite. Super. Allez, vas-y. Va dedans. Comme un idiot. Ah, punaise, il est pas allé dedans. En fait, des fois, faut pas trop les brusquer. Hein, parce que des fois, ils rentrent pas dans le piège. Et des fois, ils rentrent dans le piège. Mais. On comprend pas tout, hein. C'est fâcheux. Est-ce qu'on recolle un piège ici? Ouais, j'aimerais bien. Ici, voilà. C'est parfait. On va se diriger là-bas. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait attaquer un nid d'araignée, ce qui me permettrait de récupérer des toiles d'araignée. Ou soit, j'ai une technique que je connais. D'ailleurs, vous allez le voir. Alors, attendez. Murder. Viens avec moi. On va essayer à la manière normale. Et si ça marche pas, je vais vous montrer une technique que j'ai apprise en faisant des petites recherches moi-même. Alors d'ailleurs, je crois qu'on va faire la première coupure maintenant. Et puis on se retrouvera dans la deuxième partie à côté de notre fameux... Oh, regardez, il est trop mignon. À côté de notre fameux nid d'araignée. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Bon, bah en fait, j'ai pas attaqué... Ce fameux... comment ça? Ah oui, c'est vrai. Ce fameux nid hein, d'araignée. J'ai voulu m'attaquer à quelque chose d'un peu plus gros, c'est-à-dire les bestioles qu'il y a là, les trucs qui ressemblent à rien. Ah oh, merde, j'ai avalé comme ça. Oh punaise, je fais n'importe quoi. Je réfléchis. Murder. Cook. Ah mais j'ai bouffé mon lapin, donc ce qui fait que... Ah, je suis embêtée. Alors, bon, je vais vous montrer une astuce. Donc, j'ai voulu m'attaquer aux plantes avec des yeux bizarres. Le souci, hop, donc voilà, faut fertiliser, hein, sinon ça marche pas. Parce que moi, là, en fait, j'allais laisser mes plants comme ça, mais il faut surtout pas laisser. Il faut fertiliser. Bon, on s'en fout, hein, on a assez de crottes pour fertiliser tout ça. Vu qu'on a un camp de buffles pas très loin, par contre, niveau bois, c'est un peu critique quand même, hein. J'aimerais bien récupérer quelques lapins. J'ai d'autres pièges. On va peut-être aller voir si ça s'est
quelques lapins se sont pris dans les pièges, oui, c'est parfait. Alors, il me fallait... Je sais plus combien il me fallait de lapins encore pour pouvoir manger. Ce qui m'énerve, en fait, c'est que j'aimerais garder les lapins pour pouvoir... attaquer cette fameuse... spot, ce fameux spot d'araignée, en fait. J'essaye de trouver des termes à peu près justes, hein, mais j'ai un peu de mal. Parce que, bon, tout est en anglais, ce qui fait que... Cook, voilà. Ah, non, mais là, je vais bousiller toutes mes réserves de... Ah, ouais, mais je vais crever de faim. Ah, c'est énervant, ça! Bon, vas-y. Cook-moi tout ça. Bon, tant pis, on va fertiliser le tout. Ça ira un peu plus vite. Hop, super, c'est parfait. On va fertiliser là aussi. Par contre, ça risque pas de pousser du jour au lendemain. On va rester à côté quand même de la marmite. Ah, super. Parce que j'ai fait la folle. Vous avez vu, il y a une grosse partie de ma vie qui s'est barrée. Hein, donc ça, c'est moins cool. Ah oui, non, on va manger. Ah, ça fait du bien quand même. Hein. Ah, super. Il y a un lapin qui s'est pris. Oh, cool. On va aller voir les autres pièges d'ailleurs. S'il y a un lapin qui est sorti, qui s'est fait prendre, c'est parfait. Ah, cool. Génial. Bon, je vais au moins récupérer deux cochons. On va aller voir ça. Par contre, ce qui serait bien aussi, c'est que je coupe du bois. Parce que là, niveau bois, ça va pas du tout. J'ai que 7 bûches. Bon, j'ai moyen quand même de me débrouiller pour la nuit. Mais après, ça va pas être simple. Parce que on va essayer de faire tout ça. Donc, notamment, je veux en priorité récupérer les fameux filets. Hein, les toiles d'araignée qui vont me permettre de faire ce fameux chapeau. Attends! J'ai des trucs à te donner! On va tuer le deuxième quand ça sera fait. Alors, on va prendre deux jolis cochons. Super, suivez-moi. Allez, on a du boulot. Cool! Ah, mince, des graines. Vite, récupérons-les. Vu qu'on est à court de tout en ce moment, autour de tout récupérer. Alors on y va, on va se prendre la lance, c'est bon, vous allez avoir un peu de combat. Tout de suite, vous allez voir un combat magnifique, ahérissant, que dis-je. On replace le... Ah, c'est parfait. Follow moi. Vous allez vous attaquer à quelque chose d'assez costaud, hein, qui s'appelle des araignées. Alors moi j'ai failli crever. D'ailleurs il y a trois de vos compères qui sont fait tuer. Hein. J'espère toutefois quand même que ce spot araignée est un peu plus facile à tuer. Je l'espère. Sinon j'ai une autre technique. Alors je vais vous montrer. S'ils meurent tous, hein, bon, on va utiliser cette technique, tant pis. Ah mais quoique, là j'ai pas assez pour faire cette fameuse technique. Alors attendez. On s'y attelle tout de suite. D'ailleurs, comment ça se fait? Ah, mais oui, c'est peut-être parce que j'ai... Ah oui, je sais pas, cette stock au niveau du... Je sais pourquoi. Alors, attendez, au niveau... Ah ouais, mais ça, c'est moins cool. Bah non, bah, en fait, on va s'attaquer à la première technique. C'est pas grave. Tout marche pas comme prévu en ce moment. C'est un peu le bazar. Surtout, c'est bien parce qu'il y a une ruche à côté, donc j'aimerais vraiment avoir ce chapeau. Il est où ce fameux spot? Ah, il est là-haut. Bon! Alors, s'il vous plaît, allez attaquer ce truc dégueulasse là-bas. Tapez! Oh la vache! Oh, mais regardez, c'est une infection! Oh, il fait déjà nuit quand même, au secours. J'ai peur de les attaquer en fait. Allez, vas-y, attaque! Super! Oh oui! Allez les gens! Super. Home time! Non, attends. En masse! Ah ouais! Allez! Boum boum! Super. Je vais peut-être pas... A votre avis, est-ce qu'il faut que je pète ce truc? Oh non! Oh la morconne! Ah, parce que je l'ai tapé! Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il y a les pingouins? Ah, c'est chiant ça! Oh zut! Attendez, je vais essayer de tout récupérer là.
Oh là là! Punaise, vite. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, casse-toi! Ah, c'est pas cool du tout! Alors, attendez. Pourquoi tout est bizarre, là, tout autour de moi? Ah, j'ai tout perdu, quoi! Ah non, bah drop, ça j'en veux pas, ça fait baisser de la santé mentale ce truc. C'est peut-être l'hiver qui arrive parce que là on a d'autres petits. Ah non non, c'est pas bon, la santé mentale est en train de partir en cacahuète. Ah zut. Oh là 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 là, vite vite vite. Bon, vous savez quoi, ce qu'il me reste à faire, j'ai vraiment pas le choix. Il faut que je fasse... Comment on appelle ça? Ah super. Il faut que je fasse une sorte de lit pour pouvoir dormir. Ah, j'ai plus de place. Bon, attends. On va hop, stocker ça. C'est parfait. Ah, tout ça à cause d'un cochon quoi, au secours. Ah, tant pis, je mets ça par terre, ça j'en aurais plus besoin. Il faut que je ramasse assez de trucs. On va peut-être... Ah mais là j'ai pas assez de place. Vous savez quoi? Alors attendez, on va réfléchir. Là je suis un peu paniquée parce que j'ai... Oh, si je recrève une deuxième fois je suis foutue. Ah je vous promets. Hein. Parce que là en fait je suis morte d'une manière mais totalement idiote. J'ai attaqué en fait le fameux cochon qui me servait de sbire. Le souci c'est que eh bien il m'a attaqué par la suite. Oh punaise. Oh au secours quoi. Oh oh la poisse, mais la poisse. Oh j'ai fait de la merde. Bon j'ai récupéré deux toiles d'araignée, c'est génial. On va peut-être garder quand même ce spot à araignée parce que si j'ai envie de récupérer d'autres toiles d'araignée, ce serait cool que je garde quand même cet atout pour moi parce que si j'explose le nid, le souci c'est que j'aurai plus rien. On va récupérer... Est-ce que j'ai assez de bois? Et de toute façon, c'est pas grave. Alors, est-ce que... Je me souviens plus comment on fait... Ah oui, il faut que je fasse de la corde, si je me souviens bien. Et normalement, il sera possible de se faire ce fameux lit. Ce fameux sac de couchage qui va nous permettre de nous endormir. Oh, mais comment c'est trop bête. Je suis morte, mais d'une façon, mais idiote. Oh, je suis dégoûtée. De toute façon, la santé mentale, vous en retrouvez quand vous dormez ou quand vous récupérez ou mettez une couronne de fleurs sur votre tête. Ou bien, vous faites ce fameux lit qui vous permet de dormir. Par contre, le souci du lit, c'est que vous, le lendemain, vous avez extrêmement faim. C'est pour ça que je me fais un stock au niveau des lapins. Pourquoi je ne peux pas récupérer? Ok, tant pis, on le laisse là. On va se contenter de ça. Non, je récupère les graines parce que là, c'est vraiment critique. J'ai plus de graines. Génial, c'est la nuit. On va... C'est bien. En plus, il y a des lapins qui... On va pas attaquer. Hein. Vous savez quoi? On va pas prendre de risques. Par contre, ce qui est un peu énervant, c'est que j'ai plus de bois. On va peut-être se faire... Ah là là, c'est pas bon. Faut qu'il dorme. Je vais me faire... un joli petit repas avant de m'endormir parce que si on s'endort et qu'on a très faim, on va mourir de faim le lendemain. Et là, c'est sûr, le playthrough est terminé. D'ailleurs, j'y ai pas réfléchi, mais qu'est-ce qui va se passer si je meurs totalement? Eh ouais. Eh ouais. Est-ce que je m'amuse à refaire une autre partie? Mais ça risque d'être quand même assez chiant pour vous de regarder tout ça. Hein. Oh, je réfléchis. Bah, je crois que je serai devant le fait accompli parce que je suis morte, mais d'une manière, mais totalement stupide. Alors, attendez. Super. Ah, bon. Alors, hop, on pose ça. Ça, c'est le plus important. Tu manges ça. Super. On va recuire tout ceci. Et en plus, on sait qu'on a des lapins le lendemain, donc c'est parfait. On aura des appâts pour ces fameux cochons à la noix. En fait, j'aurais dû les laisser se faire buter et je me serais ramenée après. Et voilà, comme ça aurait été parfait.
Donc pendant que ça va cuire, je vais manger tout ça. Et pendant que ça cuit, je me fais ce fameux lit pour dormir. Enfin, si c'est possible de le faire. Attendez, je me fais 3 cordes et on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça débloque quelque chose? Ah, je sais plus ce que c'est en plus. Ah si, c'est bon, il est là. Nickel. On mange ça. Super. C'est parfait. On va lui dire de dormir. On va faire sleep. It's too dangerous right now. Ah. Bon, bah je crois que ma santé mentale, elle est pas mieux. Non. Bon. On va remettre des graines. Parce que là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais planté des trucs, là. Ah là là. Il faut que j'aille récupérer des fleurs. Mais vraiment. Ouais, non, non, ça va pas. Hein. Tout est critique. Cette partie est totalement critique. Oh, mince, il fait froid. Oh, vite. Il me faut... Je vais mourir de froid. Je me suis fait en plus des trucs là. Attendez. Non, j'ai pas. Ah, je m'étais pas fait des... Un cache-oreille. Oh, la poisse. Attendez. Oh non, mais je suis foutue quoi. Oh, je suis foutue. Eh non, mais je vais mourir. Il me manque de tout. Le fait que je sois morte, ça a totalement bousillé ma santé mentale alors qu'elle était, mais à son top du top. Ah, je suis dégoûtée, je vais peut-être crever en fait. Ah, je suis dégoûtée. Ah, je suis mais dégoûtée. Et en plus, il me manque plein de choses essentielles, notamment alors du bois, mais aussi du petit bois. Ah, il y en a un peu là. Il faut que je me fasse ces fameux cache-oreilles. Ah, je peux pas, hein. Sinon je vais mourir. Attendez, on se fait un peu de la récup de bois. D'ailleurs, je vais continuer à farmer un peu et je vais vous laisser là-dessus. Je vous reprendrai la prochaine fois. C'est vraiment critique. En fait, je vous laisse sur un énorme suspense. Est-ce que Seaside va mourir la prochaine fois? Est-ce que vous allez voir son cadavre par terre? Et ben, vous le saurez dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment embêtée parce que j'ai vraiment envie de faire une très bonne partie. Et le souci, c'est que j'ai fait n'importe quoi là pour les histoires d'araignées. Et je suis vraiment dégoûtée. Donc on va voir ce qui va se passer au prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!